If you follow me, follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Je commence premièrement par vous souhaiter un bonne année, joyeux Noël. Et ma prière pour nous en cette saison, c'est que le Seigneur puisse nous faire grâce. Qu'avec les membres de notre famille, nos frères et sœurs de l'émission Couloir vers la grandeur et notre chère émission La Page Cœur à Cœur, que nous puissions entrer dans cette année 2023 et vivre le plan de Dieu. Et je profite dans cette même atmosphère aussi pour vous dire merci pour votre participation pour nos différents programmes, émissions de la chaîne mère qui est Cœur à Cœur. En tout cas, je suis reconnaissant de cette plateforme que Dieu nous a donnée. Et éventuellement, je prends cette opportunité aussi pour remercier le pasteur Nathalie pour cette vision que le Seigneur lui a donnée. Et nous vous disons aussi merci pour votre fidélité, votre participation. Et aussi, nous sommes contents et nous espérons que vous avez été aussi bénis par ces différents contenus que le Seigneur a mis à notre cœur, que nous puissions partager avec vous. Alors, pour le mois de décembre, il y a juste l'histoire d'un général de Dieu que le Seigneur a mis à cœur. Et j'ai trouvé que ça tombait et coïncidait avec le thème de la fin de l'année, parce que vous savez, quand on entre dans une nouvelle année, il y a beaucoup de choses que le Seigneur prépare en nous afin de nous aligner avec le dessein pour sa vie. Alors, dans l'intitulé d'aujourd'hui, nous allons parler de l'homme de Dieu qui répond au nom de Allen. Mais je tiens premièrement aussi à souligner que cette émission sera faite en partie. Donc aujourd'hui, nous allons juste parler de son enfance. Ensuite, juste après, nous allons parler de sa rencontre avec le Seigneur et ainsi de suite. C'est comme ça que l'émission va se produire. Alors, qui est E.E. Allen? E.E. Allen est né le 27 mars 1911 en Arkansas aux États-Unis. Il est né d'un père et d'une mère qui étaient premièrement des, comme on appelle, il y a un terme aux États-Unis qu'on utilisait, des moonshiners. En fait, les moonshiners, c'était en fait des produiseurs d'alcool. C'était comme un alcool qui était illégal. Et il s'est avéré que les parents de A.A. Allen étaient des moonshiners. C'est comme des personnes qui produisaient illégalement des boissons alcoolisées. Et c'est quelque chose qui faisait rage à cette époque-là, que les personnes concevaient, mais c'était illégal. Alors, vous comprenez déjà un peu par là qu'il y a déjà un antécédent déjà historique par rapport à ça. Il est né dans une famille qui n'avait pas un contexte assez sain comme ça pour lui. Ses parents déjà étant des moonshiners, et en faisant encore plus de recherches, j'ai découvert que son père était un addict à l'alcool. Et sa mère non seulement était addict à l'alcool, mais elle était aussi infidèle. Donc vous voyez un peu le type d'environnement qu'il a grandi. Et ça montre aussi que les enfants doivent être nés dans un environnement sain. Parce que ce type d'environnement-là, ça peut vraiment affecter, parce que ce sont des semences qui sont semées dans la personne. Et j'avance encore plus, j'ai encore découvert dans mes recherches en fait que ses parents l'ont voyé comme une sorte d'esclave, si je dois utiliser ça comme ça. Il devait aussi contribuer sa part à la maison, donc il devait sortir dehors, faire des activités physiques, travailler, alors qu'il n'avait que 14 ans. Vous savez comme moi que dans certains pays, il y a un âge légal où les enfants sont permis de travailler. Au Canada, je sais que c'est 16 ans, je ne sais pas dans les autres parts du monde entier. Donc vous voyez déjà que c'était déjà pas correct, mais je sais aussi que c'était dû au fait que les institutions, les lois, les infrastructures n'étaient pas comme celles que nous avons aujourd'hui. Donc il se faisait qu'il devait sortir dehors, afin de contribuer à la maison, vu qu'il était trop jeune pour travailler et vu que à son époque, à cette époque-là, ce n'est pas tout le monde qui avait cette opportunité de travailler comme ça, et d'autant plus qu'il était jeune, c'était un enfant. Alors il a commencé à s'impliquer dans des travaux vraiment pas légaux. À un moment donné, il a vendu de la drogue, il a fait des travaux, ça n'a pas beaucoup marché, et il s'est fait que à cause de cet environnement-là dans lequel il a grandi, la pression des parents, il a dû fuguer à l'âge de 14 ans.
Donc, voyez un peu le contexte, un peu sa jeunesse. Père alcoolique, mère adultère, alcoolique aussi. Et vous avez le fait aussi qu'on le poussait à faire des travaux alors qu'il n'avait pas l'âge légal de travailler. Et c'était des travaux qui n'étaient pas légaux. Donc, il a eu à fréquenter des gens pas bien. Donc, vous voyez un peu que, et Alain, si on doit utiliser des termes corrects, réglo dans notre temps, c'était comme une sorte de vagabond un peu. Ses parents l'avaient abandonné, il était livré à lui-même dans la société, il a dû fuguer, espérant trouver quelque chose de meilleur. Donc, par là, je tiens à juste pointer quelque chose à notre attention. Vous savez, la Bible dit que les enfants sont les cadeaux de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Et la Bible aussi nous dit une deuxième chose, que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est contrôlé par le diable. Les valeurs qui sont prônées, le système luciférien, comme on doit le dire, c'est un système dont les principes ou les valeurs sont basés sur le père de ce monde qui est le diable. Donc, c'est juste pour élever aussi à notre attention qu'il y a des enfants que nous voyons aujourd'hui, ces grands hommes que nous voyons aujourd'hui, nous pensons qu'ils sont nés mauvais, que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est le résultat simplement de, voilà, ils sont nés mauvais comme ça. Pourtant, il y a un grand auteur dont j'ignore le nom, qui est français, il dira que l'homme naît naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. C'est pour dire que ce que nous devenons, c'est le résultat de la semence que nous recevons. Et la semence que nous recevons, c'est le résultat de l'interaction, des relations que nous avons. Parce que lorsque nous sommes en contact avec des gens, il y a des valeurs qui nous communiquent. Il y a des paroles qui nous disent. Ce sont des semences qui, toutes mises ensemble, bâtissent notre personnalité, notre façon de concevoir le monde. Et les enfants naissent innocents. C'est le résultat de l'influence de la société dans laquelle ils vivent. Alors ça forge une certaine conception. Et vous voyez déjà, je peux même souligner un exemple d'un monsieur que vous connaissez aujourd'hui, qui est connu comme l'un des messieurs qui a commis les plus grandes atrocités sur la Terre, c'est Hitler. Hitler a grandi dans une famille où son père tabassait sa mère et son grand-père, qui était juif, l'avait beaucoup maltraité. Donc, il avait une conception assez pervertie de Dieu. Donc, ça fait que Hitler a grandi avec cette haine-là. Et en plus de ça, j'ai découvert un deuxième point très intéressant, c'est qu'on se moquait de lui à l'école parce qu'il n'avait pas une apparence physique, si je dois dire comme ça, une belle carrure physique. Donc il avait beaucoup de défauts dans ce contexte-là physiquement et ça c'était sujet à la moquerie. Donc vous voyez un peu que sa façon, son idéologie, sa conception du monde était assez pervertie. Donc ça fait qu'il a commencé à grandir avec une image négative de Dieu et de son frère, en fait, disons, l'être humain. Et Hitler va grandir comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus tard, il va s'enrôler dans l'armée. Et en grandissant en rang, il va tomber sur un livre. Un livre qui va parler du racisme envers les Juifs. Et ce livre-là qu'il va lire, premièrement, va soulever deux choses. C'est que il va croire que les dieux l'avaient choisi pour réinstituer ou rétablir l'Empire romain. Et la deuxième chose, c'est qu'il va penser que la race aryenne, par ses idéologies qui sont prônées dans ce livre, est la race supérieure. Et c'est comme ça que, contrôlé par cette idéologie-là, il va s'embarquer dans l'armée, atteindre cette position d'opulence afin d'accomplir ces idéaux-là qui lui avaient été communiqués par un livre de quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré physiquement. Et je crois que pour ma part, ces idéaux-là qu'il a reçus étaient des idéaux démoniaques. C'est comme ça, Paul, dans les Écritures, parle de la doctrine des hommes et des démons aussi. Et ça existe dans ce monde. Donc, vous voyez par là que les enfants, ce que nous devenons demain ou aujourd'hui, c'est le résultat de l'influence des semences que nous recevons en nous. C'est pourquoi je tiens à m'adresser, si vous êtes en train de me regarder, vous êtes un père, une mère, vous êtes un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, je voudrais juste vous encourager. Vos enfants sont des cadeaux que Dieu vous a faits. Même s'ils ont peut-être un comportement qui n'est pas bien, c'est toujours important de toujours
mettre des bonnes semences et de toujours manifester l'amour de Christ. Parce que Paul dit que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est l'amour de Dieu, quand on expérimente cet amour, c'est cet amour qui peut nous transformer seulement. Et j'ai une deuxième catégorie de personnes qui me regardent en ce moment. Peut-être toi, tu n'es même pas dans les choses de Dieu. Tu es un enfant qui a grandi comme Éé Allen. Tu n'avais pas de parents qui pouvaient être responsables de ton avenir, de ce que tu allais devenir. So, tu as été élevé par le monde. Tu as vu beaucoup de choses atroces. Mais sache qu'il n'est pas trop tard pour toi. Christ est venu. Quand il est mort sur la croix, il est mort en pensant même à des gens comme toi. C'est pourquoi j'aime l'évangile. L'évangile n'exclut pas les gens, il inclut tout le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas les arbres, mais c'est le monde des hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça n'a pas dit seulement les gens qui ont des vies parfaites, ça dit quiconque, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour toi aussi dans ce quiconque-là. Donc Christ s'adresse à toi. Crois en lui, ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et Jésus dira dans les Écritures que la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître. Donc ça veut dire quoi? C'est que ce que tu es aujourd'hui, ce que tu expérimentes aujourd'hui, c'est le résultat de la connaissance. Mais tu vois, Dieu, on ne pouvait pas le voir. Mais au travers Christ, la Bible dit que Christ est l'image de Dieu. Dieu s'est révélé à toi. Il a montré qu'il est amour. Sauf par le fait que tu acceptes ce qu'il a fait pour toi sur la croix, ça te qualifie pour avoir la vie éternelle, mais aussi pour que Dieu puisse venir vivre en toi, pour qu'il puisse maintenant se révéler à toi, à ton esprit. Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est la vie de l'homme spirituel. Donc si tu me regardes en ce moment, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, je crois que cette émission c'est pour toi. Je veux juste te demander de répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité le troisième jour pour m'apporter la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci de m'avoir sauvé. Ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite la bienvenue. Si tu as fait cette prière, la Bible dit que lorsqu'un enfant donne sa vie à Christ, le royaume des cieux se réjouit. Mais j'ai un petit cadeau pour toi. Ça s'appelle la Rhapsodie des réalités. Tu vas voir un lien qui va apparaître sur l'écran. La Rhapsodie des réalités n'est pas la Bible. Ça ne remplace pas la Bible. C'est juste un dévotionnel qui nous aide à lire la Bible. Par exemple, dans la Rhapsodie, tu as des plans d'études bibliques annuels. Moi, quand je me suis converti, tu vois, on nous disait souvent de lire la Bible, mais c'est où que tu vas commencer? Même si tu commences, c'est comment? Donc, des fois, tu peux lire quelque chose, tu es un peu perdu dans l'explication de certaines choses, mais la Rhapsodie, par le plan d'études bibliques, t'aide à avoir un plan structuré qui va t'aider que lorsque tu lis la Bible, les idées vont s'agencer. Ça ne sera pas juste une lecture vague comme ça, ça pourrait être un peu riche. Et la deuxième chose que ce dévotionnel t'apporte, c'est avoir quotidiennement la pensée de Dieu pour toi pour chaque jour. Moi, personnellement, que je parle, ça m'aide beaucoup. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. On a besoin d'écouter aussi la pensée de Dieu, de capter sa pensée tous les jours. Et par la Rhapsodie, on est capable d'avoir la pensée de Dieu quotidienne aussi dans sa parole. Donc, je t'encourage à télécharger ce dévotionnel et à prendre le temps aussi de le parcourir. Et ceci marque la fin de notre émission, la première partie de notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Et je vous dis à la prochaine. Sur ce, restez connectés. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty. I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybe.